أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى ورهبا أي خوفا منا، فيدعون الله أن يرحمهم ويدعونه أن لا يعذبهم وأن لا يؤاخذهم وأن لا يعاقبهم، فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابه، كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et il nous invoquait par crainte, il nous invoquait par amour et par crainte, c'est-à-dire par crainte de nous, c'est-à-dire par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala par crainte d'Allah et ils l'invoquaient, ils invoquaient en lui demandant sa miséricorde, c'est-à-dire ils demandaient à Allah de leur faire miséricorde, et ils l'invoquaient pour demander à Allah que Allah ne les châtie pas, que Allah ne les prend pas pour compte, que Allah ne les punisse pas, et ils espèrent en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset 57 dans sourate al-Isra. Ceux-là, ils invoquaient Allah et ils recherchaient vers leur Seigneur un moyen, à savoir lequel sera le plus proche, hein, lequel sera le plus proche d'Allah, hein, et ils espèrent en sa miséricorde, ils craignent son châtiment. Donc les hommes pieux, hein, les hommes pieux, les prophètes, hein, les messagers d'Allah, ils invoquent Allah et ils recherchent le meilleur moyen, le plus proche moyen pour se rapprocher d'Allah, le meilleur d'entre les moyens, hein. Ils font la compétition entre eux dans le bien, comme on a lu tout à l'heure. Ils espèrent la miséricorde d'Allah et ils craignent son châtiment. فَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهِ خَوْفًا مِنْهُ ويدعونه أيضا طمعا فيما عنده، ويدعون الله أن يقدر لهم الخير ويدفع عنهم الشر، وكانوا لنا خاشعين أي خاشعين متذللين متواضعين لله عز وجل، فجمعوا بين الصفات الثلاث الرغبة والرهبة والخشوع. هذه صفات الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة لله عز وجل. وفيه رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده محبة له فقط، وهذا كلام باطل، لأن الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا وهم أكمل الخلق. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc qu'ils invoquent Allah, les prophètes invoquent Allah par crainte de lui, et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en espérant et en souhaitant ce qui est auprès de lui, et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne leur attribut le bien, hein, et repousse le mal d'eux. Et en même temps, ils sont humbles envers Allah. Ils sont humbles envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient khashi'in envers Allah. C'est-à-dire, khashi'in, c'est-à-dire khadi'in, hein. Ils étaient soumis. Ils étaient humbles. Ils étaient humbles et ils étaient, ils s'abaissent devant Allah. Ils se font petits devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont réuni ces trois caractéristiques: ar-rahba war-rahba wal-khushu', l'amour, la crainte et l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est les caractéristiques des prophètes, hein? Et ce sont trois d'entre les caractéristiques qui sont parmi les différentes formes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il mentionne un point important aussi, il dit que dans ça, il y a aussi une réfutation des soufis, hein, de la secte des soufistes, qui disent, ou qui prétendent que eux, ils n'adorent pas Allah
par espoir en sa par espoir ou bien pour l'essai. Par exemple, ils disent on n'adore pas Allah parce qu'on désire sa récompense et on n'adore pas Allah par crainte de son châtiment. Ils disent nous on adore Allah seulement par amour, seulement. Comme par exemple, ils disent ça de faire quelque chose comme ça pour le paradis ou de s'abstenir de faire quelque chose par crainte de l'enfer. Ils disent ça c'est une adoration comme l'adoration des commerçants. Eux ils disent nous on est au-dessus de ça. Nous on n'adore pas Allah pour ces choses-là. On adore Allah juste parce qu'on l'aime. On n'adore pas Allah parce qu'on a peur de lui ou de son châtiment. Puis on n'adore pas Allah parce qu'on espère sa récompense. Nous, on est au-dessus de ça. Ça, c'est des gens qui adorent. Comme s'ils essaient de dénigrer cette chose-là. Ils disent, nous, on adore juste Allah par amour. Et comme les chrétiens, comme les soufis, c'est ça leurs égarements. Et c'est pour ça qu'ils sont égarés maintenant. Hein, comme on a expliqué que l'adoration du croyant doit toujours être entre trois adorations de base. L'amour, la crainte et l'espoir. Si quelqu'un se concentre juste sur une de ces trois-là, il tombe dans l'extrême. Et c'est ça qui arrive avec ces gens-là. Donc, comment ils peuvent dénigrer ou rabaisser le fait d'adorer Allah par amour et par crainte, par amour de sa récompense et par crainte de son châtiment, alors que Allah a glorifié ses messagers et a fait l'éloge de ses prophètes en mentionnant qu'ils adoraient Allah avec ces caractéristiques-là et avec ces adorations-là. Eux, ils arrivent et ils dénigrent les prophètes. Alors ça, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Et